Bonjour à tous, c'est Bis61 et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Resident Evil Code Veronica X. Donc comme promis, donc ça sera le 11e chapitre. Donc comme d'habitude, hein, on fait une petite pause à chaque fois avec Resident Evil 6. Donc là par contre je vous proposerai que deux épisodes, donc désolé pour ceux qui l'attendaient, hein, mais j'aimerais que ça avance un petit peu plus vite Resident Evil 6, comme ça qu'on commence d'autres jeux, puis qu'on termine aussi Code Veronica évidemment. Puisque ça fait quand même partie des walkthroughs principaux de ma chaîne, et bon, je suis obligé de mettre en pause, parce que sinon ça fait... Enfin, personnellement, je trouve que ça ferait trop de Resident Evil en même temps sur ma chaîne YouTube, donc... Donc voilà. Alors, comme la dernière fois, je vous avais dit... Je sais pas si je vous avais chargé la partie, je me rappelle plus exactement... Mais j'avais dit que je prendrais une autre sauvegarde, puisque j'ai fait un peu le con avec le tyran, là. Du coup, niveau munitions, c'est pas terrible pour la suite. Voire même, c'est peut-être possible, je dis pas, mais c'est pour galérer au boss de fin, c'est pas la peine. Donc j'avais dit que je prendrais une sauvegarde... Alors... Normalement, ça doit être celle-là. Entrée tombeau, parce que les autres, c'est quoi? Ouais, donc normalement c'est celle-là, donc on va charger celle-là, j'espère que c'est la bonne en tout cas. Et on va bien voir. Alors déjà, faut que je me réhabitue au gameplay parce que j'ai pas joué avant. Bon, ça va. Alors, triangle, c'est ça. Start, voilà, c'est le menu. Donc ça va, on n'a pas trop perdu, ça va revenir. Alors je vais regarder le coffre. Ah oui, c'est vrai, c'est carré, j'avais oublié ça par contre. Donc le pistolet de base, il y a la calache. Je me rappelais pas que j'avais déjà la calache directe, comme ça. On va mettre la calache là. Enfin, quoique. Bon, normalement ça devrait suffire. Ouais, je pense. Là, on va équiper quand même le flingue parce que si on y va au point, ça va être un petit peu dur de tuer le ver. Ah oui, putain, faut que je me rappelle que c'est carré parce que là je bute comme un con dans les objets. Mais... Voilà, donc c'est parti. Alors, faut savoir qu'on n'est pas obligé de buter le verre. Voilà, il y a un bouton, on appuie. Sauf que l'ascenseur va prendre énormément de temps à arriver. Donc ça force un petit peu à se battre, mais il y a une autre technique, c'est carrément de retourner là-bas, de changer de pièce, de retourner dans la salle de sauvegarde, en gros. Et vous revenez dans cette pièce-là, et l'ascenseur, comme par hasard, il va être là. Mais nous, on va buter le boss, parce que... sauver déjà le mec qui était dedans, enfin qui s'est fait bouffer, enfin moitié quoi, puisqu'il est encore vivant, et il va nous donner quelque chose et ça va nous intéresser pour la suite, et c'est pour ça qu'on va devoir le tuer. Alors là, je me suis fait toucher bêtement du coup, mais normalement, si mes souvenirs de bon, une trentaine de balles ça suffit à le tuer, je crois, mais est-ce que 30 balles de flingue ça va suffire? Ah, il est déjà arrivé. Comme quoi, vous voyez, mais moi je veux vraiment le tuer, donc... Attendez. Faut que j'évite de me prendre des dégâts, parce qu'en fait, il est pas très chiant comme monstre, mais faut juste esquiver au bon moment, et après, il vous embête pas trop. Là, vous voyez, là, je me chie un peu dessus, mais... On va y arriver... Allez, vas-y, replonge. Alors là, je sais pas pourquoi j'ai pris des dégâts, pourtant il était loin. Mais... Il va prendre une herbe verte quand même. Cours. Oh là là. Faut pas que je gaspille trop de soins, quoi, parce qu'après ça va être chiant. Je sais que j'ai des mauvais souvenirs là-dessus.
Bon, il va bien crever un jour, de toute façon. Ouais, il a failli me toucher, hein. Voilà, il a mangé 3 balles. Mais ouais, normalement, je crois que c'est une trentaine, à peu près. Merde. Évidemment, mais là, il m'arrive dessus. Oh non, je suis loin derrière, non, c'est pas possible ça. Putain, franchement, ce boss là il est casse-couille. Et ça vaut quand même le coup de faire ça parce qu'on récupère des choses intéressantes. En fait, faut surtout qu'il sorte de la terre, parce que quand il fait juste des sauts et il replonge direct, ça sert un peu à rien. Faut qu'il ait vraiment la tête dehors, qu'on puisse envoyer des balles, putain. Attends, je regarde ma vie. Non, ça va. Il va pas tarder à claquer là, je pense quand même. Parce que là, il a quand même mangé beaucoup de balles depuis. Oh, évidemment, putain. Faut que je gère mieux que ça. Ça va être. Oh là là, putain. Là, je vais être en danger, non? Ah, putain. Bon, je vais. Au pire, je vais essayer de finir comme ça. Si je meurs, je recommence. Parce que là, j'ai perdu beaucoup trop de vie. Là j'ai utilisé au moins deux voire trois plantes, je suis pas sûr. Je crois que c'est deux plantes. Ouais, deux plantes il me semble. Mais le mieux ça serait de pas en utiliser du tout. Donc, Ah bah voilà. Hold on! Don't give up! Looks like I can meet my family again. Here. Take this. What? She gave this to me as a token of thanks for saving her. I won't need it anymore. Take it. Voilà, donc on a récupéré le briquet. Donc Rodrigo est mort malheureusement. Enfin malheureusement, heureusement. Non pas heureusement, peut-être pas quand même, mais bon je veux dire c'est pas un personnage. Qu'on a vu beaucoup. Bon, c'est vrai qu'il a sauvé Claire quand même, on dit pas, mais bon, c'est vrai qu'on va pas être méchant, on va pas dire heureusement, mais bon, vous voyez ce que je veux dire, que c'est pas un personnage très important, donc c'est pas la fin du monde quoi. Et donc on va servir du briquet ici maintenant. Voilà, alors bouger la pierre, donc là on voit qu'il y a quelque chose. Voilà, il y a deux mitraillettes, donc c'est des usines normalement je crois. Et là on va utiliser le briquet en allumant la torche et ça va ouvrir la petite trappe et on va pouvoir récupérer les usines. Voilà. Alors les usines c'est comme les calicots, je sais pas quoi là. Bah de toute façon c'est là-dedans je crois. Calico, comment ça s'appelle déjà? Oui voilà, Calico M100P là. C'est comme ces armes-là en fait. Bon là c'est des mitraillettes que l'autre c'était coup par coup, hein, mais je veux dire c'est pareil parce qu'on peut pas les recharger quoi. On a 100% de munitions mais on pourra jamais recharger. Alors que par exemple la Kalachnikov, elle a 100%, mais elle on pourra la recharger, on va trouver des chargeurs. Donc ça sera une arme que je pense que je vais utiliser dès le début. Comme ça je vais économiser mes balles. On va même poser les munitions comme ça fait de la place.
Et qu'est-ce que je vais prendre? Bon allez, on va y aller. Non, je vais quand même prendre une plante verte. Parce que je voulais y aller en mode bourrin, mais bon. Je voudrais pas qu'il y ait de drame quand même, ça serait dommage. Et bon, là, ça va, finalement, on a utilisé que deux herbes, donc il y a pire. Quoi. Mais c'est vrai que j'ai tendance à les utiliser trop rapidement, alors que des fois, je suis en faible jaune. Mais faible jaune, ça a duré longtemps. Je me suis pris plusieurs coups avant d'atteindre faible orange. Donc j'aurais peut-être dû attendre un peu avant de m'en servir des herbes vertes, mais bon, c'est comme ça, quoi. J'ai l'habitude de fonctionner comme ça. C'est vrai que des fois, je le regrette un peu après, mais bon, tant pis. C'est fait, c'est fait. Alors du coup, maintenant, j'ai récupéré plein de trucs. Du coup, est-ce que ça vaut... Bon, allez, on va faire demi-tour. De toute façon, c'est juste à côté, donc... merde. Hop. Histoire de poser ça, parce que si on a des items à ramasser, qu'il faut faire encore un aller-retour pour récupérer, on n'a pas fini. Ah non. Donc vous voyez les carreaux explosifs d'ailleurs, hein, j'en ai 40. Ouais. Je crois qu'on va encore en avoir, je suis pas sûr, mais c'est vrai que les carreaux explosifs c'est vraiment pas mal pour le boss final. C'est très conseillé, la plupart des joueurs. La plupart des gens vous le diront, honnêtement, c'est vraiment conseillé. Et c'est pour ça que je préfère les garder et pour les garder au boss final, quoi. Pardon. Donc maintenant, on va pouvoir prendre le fameux ascenseur qui a pris pas si longtemps que ça à venir. En fait, je croyais que ça prenait plus de temps, mais vu que la dernière fois, j'ai tué le monstre plus rapidement et du coup, j'ai pas vu l'ascenseur arriver. Enfin, il arrive après la mort du monstre. Donc j'ai pas pu calculer, voir si ça durait longtemps ou pas, s'il fallait vraiment attendre longtemps. Et bon, là on a pu voir, en fait c'est pas si long que ça, hein, il suffit juste de faire le tour. Bon, je me suis fait toucher entre deux, mais en se débrouillant peut-être un peu mieux, il y a peut-être moyen de pas se faire toucher. Ah oui, donc on arrive là, j'étais pas sûr exactement, donc on va utiliser direct les mitraillettes. Par contre, ce qui est chiant, c'est qu'il les utilise écartés. Oula, il a failli me gerber dessus. Mais vous voyez, ce qui est chiant, c'est qu'il écarte les mitraillettes, des fois il tire d'un côté dans le vide. Putain, il faut beaucoup de balles pour le tuer. Ah la bim. Donc là, on se prend un petit peu pour Steve, hein, parce que Steve aussi avec des mitraillettes. Par contre, ouais, oh, ça va, ça descend pas trop vite. Hein. Il y a encore moyen de faire une dizaine de kills, je pense. Voilà. Il est mort ou pas? Je vois un truc bouger là. Non, il est pas mort. Là. Ah, c'est bon. J'avais un doute parce que je voyais des trucs blancs bouger. Je me suis dit, lui, il est pas mort. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut déjà? On va quand même fouiller parce que, bon, je me rappelle plus exactement. C'est quoi? Elle est en panne. Je ne peux pas la conduire, ok. Parce que je sais qu'il y a un truc à faire avec ça. Voilà, la batterie a été enlevée. Et avec Claire, bah, elle disait ça, mais on s'en foutait. Mais avec Chris, ça va être différent, parce qu'on va devoir récupérer la batterie. Ici, je sais plus ce qu'il y a. C'est... On va aller voir vite fait. Bah, ça veut pas ouvrir. Il y a peut-être un truc qui bloque, je sais pas. C'est vrai que c'est un peu sombre, du coup, on voit pas trop. Mais bon, ça veut pas ouvrir, donc c'est pas grave, on va aller par là. Donc là, si je me rappelle bien, c'est la salle où il y a l'espèce de tank, là. Ouais. Alors je regarde s'il y a des choses à prendre. Apparemment non. Donc on va faire le tour et on va emprunter le même chemin que Alfred Ashford. Donc il appuie sur un bouton et ça a décalé, voilà. Ça décale le tank et en dessous il y a une espèce de petite passerelle. Et nous on va l'emprunter pour voir justement ce qu'il y a en dessous. Je sais pas où elle en met. Enfin, je me rappelle plus exactement, mais bon. Au fur et à mesure, j'ai me rappelé. Ah, il y a des munitions. Bah, ramasse. Voilà.
Mais normalement, je crois que ça emmène à un endroit inédit qui remène à un autre endroit qu'on connaît, il me semble. Ouais, c'est ça, exactement. Alors là, si je me trompe pas, il y a une salle de sauvegarde. Exactement. Donc ça va, je me rappelle à peu près. Alors il y a encore des petites choses à ramasser. Alors là, il y a des... Ouais. Il y a un pot d'herbe bleue, donc quand on est empoisonné, ça peut servir. Et ce qui est bien, c'est que là, au moins, il est dans une pièce où il n'y a pas de monstre, parce que l'autre fois, avec les petites chauves-souris, là, ou les espèces de papillons... Ah oui, c'est l'énigme à la con, ça. Oui, non, mais c'est bon, on a compris. Là. Non, mais... Chaque fois, je rappuie, en plus. Annulé. Je me rappelle plus c'est quoi, ça, comme énigme. Faudrait que je regarde sur ma feuille. Cartouche de fusil. Donc, qui dit cartouche de fusil, dit fusil à pompe à proximité. Donc, on va bientôt récupérer un pompeux, et ça, c'est cool, parce que les fusils à pompe dans Resident Evil, c'est quand même très très bien. Alors, on va poser tout ça. Donc, les munitions, on les rajoute à celle-là. Quoique... Non, je préfère faire un deuxième tas, voilà. Les munitions de fusil à pompe, on va les mettre de côté parce que pour l'instant c'est pareil, vu qu'on l'a pas, sert à rien. Grenade acide, pareil. La plante, on va la laisser là aussi. Il y en a combien? Il y a deux plantes vertes, un mélange rouge, spray de soin, ok. Ça c'est pareil, il y aura un... je vous avais parlé un petit peu vite fait. Il y a un moment où on sera obligé de d'avoir au moins deux soins complets. Parce que c'est comme ça, hein. je connais pas d'autres techniques. Hein. J'ai regardé sur internet, la plupart utilisent cette technique, donc je vois pas s'il y en a vraiment d'autres. Mais ça sera pour un boss, si vous voulez, on est obligé de se prendre des dégâts, en fait, c'est impossible de ne pas s'en prendre. Et enfin, c'est même pas un boss, parce qu'on peut même pas le tuer, mais bon, je vais pas trop spoiler, mais en gros, il nous faudra deux soins complets, quoi. Non, ils me font chier avec les tiroirs, à chaque fois j'appuie. J'ai quand même regardé sur ma feuille, je suis pas au courant des tiroirs, je m'en rappelle plus. Attendez, je vais regarder vite fait quand même, pour que ça soit clair. Parce qu'au pire, je vous montrerai en même temps la soluce, même si elle est trouvable sur internet, dans le pire des cas. Alors, salle du temps, ça j'ai déjà fait, on s'en fout. Couloir des... oui. Donc oui, c'est pareil, dans le couloir qu'on vient de passer, il y a une araignée. Ou deux, je sais plus. Une ou deux, je m'en rappelle plus. Mais on n'est pas obligé de la tuer parce que, en fait, elle se déplace au plafond, mais elle est assez lente. Et du coup, si on sprint, en général, on n'est pas touché. Donc, il n'y a pas trop de problème de ce côté-là. Alors là, il y a quoi? Il y a rien. Donc, on va continuer. Je crois pas qu'il y ait les araignées encore maintenant. Il doit y avoir une scène à déclencher. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a une scène à déclencher. Alors là, j'étais pas sûr qu'il y avait quelque chose, j'ai quand même cliqué, vous voyez, un truc bleu, mais il fait tellement noir. Après, peut-être qu'avec la retouche, c'est marqué quoi, là? Ah oui, une plaque d'égout, oui, donc on pourra bientôt l'ouvrir. Mais peut-être avec la retouche du logiciel de montage Sony Vegas, vu que j'éclaircis un petit peu l'image pour que vous voyez un petit peu mieux. Vous allez peut-être voir qu'il y avait la plante, mais moi, sur mon écran, là, pourtant, j'ai la luminosité assez grande, mais... Y'a rien à... Enfin, je vois rien, quoi. Par contre, il y a une batterie à récupérer, mais je sais pas où elle est, je me rappelle plus. Ça, y a la fameuse batterie, là, pour le... On va retourner en bas, mais je me rappelle plus où elle est, cette batterie, en fait. J'ai peut-être loupé dans la salle de sauvegarde. Donc, on va voir ça. Alors... Merde! Oh putain, je rappuie sur carré comme un con. Pourtant, j'étais pas en face du bouton, mais il suffit juste d'appuyer, apparemment. Voilà, donc on redescend. Alors, donc... 2, 3, 1, 4, ok.
Donc on va faire l'énigme du tiroir, parce qu'apparemment il y a quelque chose à récupérer. Mais c'est... Enfin attendez, est-ce que j'ai noté là-dessus? Je regarde quand même. Ah oui, d'accord. Donc c'est ce... En fait, on va récupérer quelque chose qui permet de débloquer le mode battle. Donc c'est un bonus... un bonus de Resident Evil Code Veronica, quoi. Donc le bleu, le rouge, donc j'ai dit 2, 3, 1, 4, donc on va le faire. Donc comme ça vous débloquerez le mode battle si vous ne l'avez pas. Ah, voilà, il y a déjà quelque chose, et normalement c'est le quatrième, voilà. Donc c'est un... Voilà, c'est une réplique de Luger, donc c'est comme les Luger, les doubles Luger que Steve il avait. On va examiner, hop. Voilà. Cela ne peut pas servir d'arme. Donc on n'en sait pas plus. Donc on va mettre ça dans la malle, mais ça sert à débloquer le mode battle. Voilà, comme ça vous êtes au courant. Par contre, la fameuse batterie, je vérifie parce que ça se trouve, je l'ai ramassée sans m'en rendre compte, mais non, j'ai rien. C'est bizarre que ça souffle pas par contre. Ça m'étonne un peu ça. Oh, c'est quand même bizarre ça. Je regardais quand même ma feuille, la fontaine, la chambre. Alors, au fond du couloir, vous allez devant. Oui, donc ça je le sais. Bah oui, mais... mais je sais pas où elle est, l'orage à la con, putain. Ah, attendez, je vois un truc par terre. Ça se trouve, je suis passé devant. Voilà, oui, bon, bah c'est ça, voilà. Donc vous voyez, il fait sombre, et j'ai rien vu. Oh putain, j'avais oublié ici. Je me rappelais plus qu'elle spawnait comme ça. Alors, dégage. Donc on la fuit, hein, on s'en fout. Putain, en plus, il y en a une deuxième. C'est bien ce que je pensais, il y en a bel et bien deux. Donc on se casse. Attends, je me rappelais plus qu'elles arrivaient comme ça. Le mec qui joue la première fois, je pense que le sursaut, ça tombe vite. Hein. Et voilà, comme je vous dis, la map est tellement noire chez moi que il n'y a rien à faire. Là, la batterie, je l'avais pas vue la première fois. Vous vous êtes peut-être dit, mais putain, mais il voit rien. Mais non, c'est trop sombre. En repassant, j'ai vu une fine silhouette à moitié rougeâtre noire. Là, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose. Mais honnêtement, j'avais rien vu. Quoi. Donc la fameuse batterie. Moi, il me semblait bien qu'elle était par là-bas ou dans la salle de sauvegarde, mais je me rappelais plus exactement où. Et donc là, du coup, on va récupérer. C'est quoi ça? Il y a un dossier. Ah, je me rappelais pas de ça. Rapport alliage déployed. Ouais, c'est déployed. Ah oui, donc ça doit être... Ouais, c'est les monstres, ouais. Nous avons tout d'abord pensé fabriquer la capsule de transport de notre nouvelle ABM en déployed. Un alliage renforcé, mais nous avons dû revoir notre position. En effet, malgré sa résistance exceptionnelle à tous les types d'acides connus, cet alliage se dissout au contact d'un mélange composé de deux éléments désignés sous les noms de Clément... je crois que c'est Alpha, oui, c'est un A, il me semble. Clément Alpha et l'autre Z, je sais même plus c'est quoi, enfin pas Z mais... Moi je m'en rappelle plus mais bon c'est des trucs grecs. Hein. La nature mortelle de cette nouvelle ABM ne permet pas de prendre le risque de la conserver dans une capsule faisant preuve d'une telle faiblesse. Le déploïde a néanmoins été utilisé pour réaliser la portion indigo des blasons de l'aigle. Info sur les Cléments. Le type Alpha est utilisé pour l'entretien des armes et ne possède aucune caractéristique notable. En revanche, le type machin, somme, on va dire, devient bleu lorsqu'il atteint un certain niveau de température. D'accord. Par une étrange coïncidence, cette température est identique à la date d'achèvement des travaux de ce complexe d'entraînement.
D'après nos analyses, le type somme possède d'autres caractéristiques que nous décrivons dès que nous serons en mesure de publier nos conclusions. Voilà. Donc ouais, je me rappelle plus de ce que ça veut dire. Au pire, vous me le direz dans les commentaires, parce que je me rappelle plus du tout, honnêtement. Alors, du coup, on a récupéré ça. On va l'examiner. Une petite clé métallique, il est écrit entrepôt produits chimiques, ok. D'accord. Alors, l'histoire du blason là qui parlait, c'est. Who is that? Alexia? No! She's already fully awake. Chris, oh little fishy, come see my hook. Chris, I'm sending some company to keep you entertained. Consider this a small welcoming gift from me. Enjoy! Voilà, donc j'avais oublié cette petite vidéo, donc ça m'a un peu coupé. Du coup, je parlais du blason, et en fait, l'espèce d'insigne indigo qu'on a ramassé deux fois avec Claire, donc c'est une espèce de blason bleu avec une hallebarde à moitié, une espèce de petite hache dorée au milieu. On va devoir en récupérer un pour fondre le bleu autour et juste récupérer l'hallebarde qui va nous permettre d'ouvrir la porte qu'on a vue tout à l'heure, juste à côté de la batterie. Donc là, la vidéo, on a vu Wesker, donc apparemment, il est pas venu pour rien, il doit vouloir récupérer le virus T. Veronica, j'imagine. Est-ce qu'il y a des commentaires là-dessus? Non. Donc il a envoyé des espèces de robots et on a vu des méchants yeux dans un container. Donc pour ceux qui connaissent bien la série, je pense que niveau monstre, vous savez ce qu'il y a dans le container, hein, donc c'est les Hunters. Pour ceux qui ne connaissent pas, bah, vous verrez à quoi ça ressemble prochainement. Et les petits robots, en fait, ça va être des espèces de détecteurs, et moi je les déteste parce que j'arrive jamais à les esquiver. Je sais pas, je joue comme un pied, ou je sais pas, mais c'est un laser, si vous voulez, c'est des robots qui vont être fixes à certains endroits de l'aventure. Dans des couloirs, par exemple, comme celui-là, il va être... fixe, comme une caméra en fait, et il va scanner le sol, il y aura un rond de lumière qui va passer, et si nous, malheureusement, on passe dans ce putain de rond de lumière, et ben, il y a une alarme qui retentit, et il y a nos amis, les Hunters, qui rapiquent. Et moi, je sais que la dernière fois, ça me faisait bien chier, parce que à chaque fois, bah... Allez, donc voilà le fameux emblème. Mais à chaque fois, je tombais dans le laser, donc je me faisais avoir à chaque fois. Tout s'est effondré, d'accord. Alors là, je sais plus ce qu'il y a, mais bon, j'y vais quand même. Hein, j'y vais un petit peu au pif. D'accord, donc il y a déjà un copain. Voilà. Oh, j'avais pas vu ça. Ça fait une pétale à la gueule, en plus. Alors je sais pas si vous reconnaissez exactement l'endroit. Ah oui, ça c'est pas mal. Donc déjà la sacoche. Donc on a deux cases supplémentaires, c'est pas mal, ça va être cool. Mais je sais pas si vous reconnaissez l'endroit, parce que normalement l'angle de vue, voilà, l'angle de vue correspond un peu plus à ça. Alors avec Claire, c'était l'endroit où il y avait des monstres derrière cette vitre. Et derrière cette vitre, il y avait des espèces d'albinoïdes. Ouais, c'est les albinoïdes, je crois. Il me semble qu'ils s'appelaient comme ça. Enfin, je sais plus. Les espèces de mini salamandres, là, électrifiées. Et si vous voulez, il y en a une qui va s'échapper. Il y aura un compte à rebours et Claire va devoir se barrer par là en prenant cette porte-là, normalement. Donc le mur n'est pas pété, hein, tout est beau. Et voilà, donc c'est cet endroit-là, en fait. Sauf que là, il y a eu quelques dégâts, comme vous pouvez le voir. Ah, donc je peux pas entrer par là.
Il y avait une arbalète ici, il me semble. Je crois que c'est ici qu'on l'a récupérée au début. Donc du coup, là, il n'y a pas grand-chose à récupérer, s'il y a quelques munitions encore. Mais je sais qu'on va devoir retourner ici. Mais c'est pas maintenant, parce que quand on va y retourner, il y aura des hunters et il y aura le petit robot là que je vous ai dit, je crois. Est-ce que je dois aller par là? Je vais quand même regarder mon truc parce que... Ouais, donc on va quand même faire un tour vite fait. Ouais, donc là vous reconnaissez bien les lieux, je pense. Donc là on peut plus passer par là, hein, tout est détruit, mais avant bah on pouvait passer évidemment. Et là il y a une porte où on pouvait pas accéder avec Claire. Voilà, parce qu'il manquait une poignée. Et en fait c'est la fameuse pièce qui est explosée par laquelle on est passé pour arriver dans la salle. Dans cette salle là en fait. Donc vous voyez, c'est. Les pièces sont liées. Donc apparemment il n'y a rien d'autre à récupérer, hein, si je me trompe pas. On verra bien par la suite, dans le pire des cas. Donc maintenant on va descendre et on va essayer de récupérer ce fameux emblème, puisqu'il n'y a que ça qui nous intéresse pour l'instant. Alors le blason de l'aigle est tombé dans les égouts. On dirait qu'il y a un passage en dessous. Alors, normalement je crois que je peux pas faire le tour. Hein. Alors par contre là je sais plus trop où aller, hein, mais c'est ça en fait, quand on n'a pas joué pendant un moment, à chaque fois c'est pareil, mais... C'est pour ça les Resident Evil comme ça, surtout les anciens, parce que les nouveaux, comme je vous dis, on a toujours de l'aide, enfin c'est... Il n'y a plus d'aller-retour comme on faisait dans les anciens épisodes. Et c'est pour ça faire des pauses dans ces RE-là, c'est horrible, quoi, parce qu'à chaque fois c'est... On doit réapprendre à jouer, limite, se rappeler de ce qu'on doit faire. Alors on va prendre l'ascenseur, mais je sais pas où on va s'arrêter exactement. Bon, on va aller au sous-sol, on va bien voir ce qu'il y a. Parce que normalement, qui dit sous-sol dit proche des égouts, donc je crois que c'est là. Mais honnêtement, je suis pas sûr. Ouais, donc je pense que c'est par là. Ouais, donc c'est bon. Alors, un étrange visage sculpté. Donc, vous vous rappelez de cette salle-là, on était avec Claire. Et là, qu'est-ce qu'il y a en dessous? Un fusil à pompe. Voilà. Alors, malheureusement pour nous, vous voyez, l'espèce de pont remonte. Et on va devoir remettre le fusil à pompe si on veut remonter. Donc c'est fait exprès, hein. C'est normal. Du coup, attendez, puisque là je suis un peu plein. Bon, on va quand même remettre le fusil à pompe et on va restocker des trucs. Parce que là je suis quand même un peu plein et je sais qu'il y a pas mal de choses à prendre après. Et si on doit se refaire un aller-retour, autant le prévoir maintenant qu'après, quoi, parce que ça sera un peu con. Donc on va y aller. Hop. Donc me revoilà, donc je suis désolé au fait, parce que je pensais que c'était dans le jeu au début, c'était des bruitages du jeu. Mais il y a des petits bruits aigus en fait autour de moi parce qu'il y a des travaux à côté de chez moi, donc je sais pas si vous les entendez vraiment, hein, mais je préfère m'excuser au cas où, parce que c'est vrai que c'est des bruits aigus assez agressifs, donc c'est pas trop fort, mais après je sais pas si on entend au micro. Et c'est vrai que c'est un peu chiant. Du coup, je viens de par là normalement.
Donc on va retourner au coffre pour l'instant, comme je vous ai dit, et on va voir la suite après. Après, ça se trouve, il y avait une salle de sauvegarde après, mais je me rappelle plus, donc... Ça fait un moment que j'ai pas joué, et là, c'est vrai que niveau souvenir, je m'en rappelle plus trop, donc c'est pour ça que je le fais un peu au feeling. Et voilà. Pour éviter qu'il y ait des problèmes. Et je regarde le temps, en même temps, ça va être juste de rentamer un truc, mais bon. Je vais quand même le faire, parce que c'est vrai que là, on n'a pas fait grand-chose, du coup, dans l'épisode. Et ça serait dommage de se quitter là-dessus, sur des allers-retours que j'ai fait juste pour récupérer des équipements. Donc au pire, ça sera un épisode un petit peu plus long, mais bon. On va faire avec. Et mais oui, attendez, comme j'y pense... Ouais, j'étais même pas obligé de revenir là, je pouvais aller de l'autre côté. Bon, c'est pas grave, tant pis. Maintenant qu'on y est, hein, on va pas faire demi-tour, hein, c'est trop tard. Donc ça, on repose, hein, toujours le même bordel. Hop, ça, hop, voilà. On garde toujours une herbe au cas où. Hein, qu'est-ce qu'ils disent? Des tombes certainement sont très anciennes. Certaines sont très anciennes, sûrement les premiers habitants de l'île, ok. Ah, mais c'est bon. Parce que c'est bizarre, moi je... Enfin, je sais pas si vous voyez quelque chose, mais moi je vois juste un mur avec des pierres. Ou c'est peut-être ces fameuses pierres, derrière il y a des tombes, je sais pas, mais... Allez, on y arrive. Voilà, donc on va reprendre l'ascenseur. En fait, ça se trouve, je suis même pas... Non, bah si, je suis obligé de passer par là, parce que l'autre ascenseur, on peut pas choisir les niveaux. Parce que je pensais à l'ascenseur qu'il y a derrière cette porte-là, vu qu'on peut choisir les niveaux, mais ça serait pas pareil. Donc oui, c'est par là. Il y a quoi ici déjà? Parce qu'il y a tellement de trucs. Ok, donc ça c'est la pièce où il y a tous les tableaux. Là, il n'y a rien. Je préfère bien vérifier parce que, comme je vous dis, là, je suis un petit peu à côté de la plaque. Donc, je voudrais pas faire n'importe quoi. Puis ça serait con de pas avancer, de faire une vidéo alors que... Merde, j'ai appuyé, mais... Bon, ça va, ça a rien fait. On va prendre le bon étage chez toi parce que là, je me suis un peu trompé. Donc, rez-de-chaussée, ouais. Sous-sol plutôt. Bon, j'ai cliqué sur le bon, donc j'ai rien dit de faux. Enfin, j'ai rien fait de faux plutôt. Allez, on va voir ce qui se passe. Je vais quand même aller là-bas d'abord, parce que je sais qu'il y a un truc à récupérer aussi. Il y a tellement de choses à faire, je sais même pas par où commencer, mais bon. Ah ouais, déjà, c'est le retour des zombies. Bon, on va les buter, hein. Ah ouais, merde. Bon, on peut pas y aller maintenant, comme ça. Genre, ils montent les marches, tranquille. Bah écoute, tu vas les monter tout seul, moi je me casse, hein. On va te buter à plus tard. Puisqu'on ne peut pas y aller, on va attendre. Donc on va redescendre, fusil à pompe, du coup... Bon, je vais quand même le prendre, parce que je sais plus s'il y a les monstres en bas. Les fameux hunters, donc on va éviter le drame et il faut mieux s'équiper parce que c'est vrai que là les pistolets mitrailleurs, je sais pas si ça va être bien. Parce que les hunters, quand on leur fait suffisamment de dégâts, ils reculent et des fois ils... Je sais plus s'ils tombent ceux-là. Moi il me semble qu'ils reculent juste, mais quand on enchaîne les dégâts, ils reculent tout le temps et du coup, bah ça c'est... ils s'éloignent de vous, donc comme ça vous êtes protégés. Mais quand vous avez un simple pistolet ou même les pistolets mitrailleurs, du coup je suis pas sûr, et ben vous leur infligez des dégâts mais ils reculent pas. Et du coup bah ça peut être le drame puisque après ils vont vous toucher et bim vous crevez. Surtout que ça fait assez mal il me semble. Alors là c'est des espèces de containers, est-ce qu'il y a des choses, non. Il n'y a rien à faire.
Alors on va prendre le pompe, parce que j'ai un mauvais pressentiment au-dessus, là, je sais pas ce qu'il y a, mais il me semble qu'il n'y a pas que des choses gentilles en haut. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Il n'y a rien. Donc là, on peut voir déjà qu'il y a un container qui est parti. Mais je sais plus ce qu'il y a, s'il y a vraiment des méchants monstres là-dedans, mais... Alors, on dirait un panneau de contrôle pour la capsule, appuie sur le bouton. Alors du coup, ça a dû libérer autre chose, je sais pas. Il me semble qu'il y a des munitions dans ce container, je sais plus exactement, donc on va aller voir. On peut pas l'ouvrir. Bon bah, j'ai rien dit, écoutez. On remonte. Voyage inutile en force. Alors, il y a peut-être des choses à prendre ici. Voilà. Voilà, c'est bien ce que je pensais, là je me le rappelle. J'avais souvenir qu'on ramassait. Donc voilà, j'ai ramassé les fameuses munitions. Ensuite, là, il n'y a rien. Voilà, donc on sait pas ce qu'il y a dedans, mais bon, on va pas tarder à le savoir, il me semble. Ouais, donc c'est bon. Franchement, je me rappelle plus du tout ce qu'il y a après, donc on va pas faire les fous, hein, si... Normalement, il n'y a pas de boss, mais bon, on ne sait jamais. Alors, où est-ce qu'on arrive? Ça me dit quelque chose, cet endroit. Ah oui, là, si vous en rappelez, il y avait des hunters un petit peu partout. Quand on est passé avec Claire, bon, là, il n'y a plus personne, du coup. Alors là, il y a quelque chose par terre. Poignée de porte, d'accord. Ah bah voilà. Voilà, nos amis les hunters, donc là ils viennent à deux. Alors, putain, salaud, je rappelais plus qu'ils sautaient dessus comme ça. On voyait donc deux coups de pompe, c'est réglé. Mais voilà quoi. Donc vous voyez, en un coup quand même, ils font mal. Hein, que les zombies, des fois, on reste en ok, mais pas avec eux. Donc là, ça va, c'était à peu près facile. Mais ouais, je me rappelais plus du tout qu'il nous sautait dessus, sinon j'aurais tiré direct parce que là j'ai pris un dégât bêtement quoi en fait. Mais bon. Donc comme ça, vous voyez un peu à quoi ça ressemble les hunters, pour ceux qui connaissent pas. Mais c'est quand même les monstres emblématiques de la série, hein, surtout des anciens, puisque les nouveaux il y en a pas. Enfin, en tout cas, pas ma connaissance. Ça fait partie des monstres emblématiques, hein, comme les zombies et puis évidemment les tyrans. Toujours les boss des anciens Resident Evil. Alors, qu'est-ce qu'il y a à prendre ici? Rien. Et là. Alors, apparemment, il n'y a rien de spécial. Il y a des munitions. Toujours des munitions. On va être blindé là, de ce côté-là. C'est clair que... Ah ouais, mais là, je vais pas pouvoir tout prendre. C'est quoi, ça? Il y a un truc qui brille là, on peut pas prendre. Ah voilà la clé. Du coup, j'ai peut-être pouvoir jeter la clé, voilà. Donc ça fait un emplacement en plus. Sinon, il y aurait eu un petit problème. Oula, changer la température, j'en sais rien. Ouais. Mais attendez, on va faire ça déjà. Alors, est-ce que j'ai ça sur ma feuille? Parce que la température, normalement, il le disait hein, tout à l'heure, comme par hasard, ça correspond à la date de la fin de construction du manoir des Ashford, je crois, hein, si je me trompe pas. Est-ce que je l'ai marqué là-dessus? Bon, c'est peut-être pas prioritaire, mais bon. Ouais, parce que je fais vraiment ça dans l'autre sens en fait, moi j'ai pas fait ça dans le même sens que sur mon truc.
Bon, j'ai pas l'impression que c'est marqué, mais bon. Attendez. Ah, 1, 2, 8. Attendez, on va voir ça, mais... alors... On va essayer, hein, mais honnêtement, je me rappelle plus, donc... Non, pas ça. Ce serait 128 degrés, mais ça correspond pas à une date, là. Ça fait peut-être 128 ans. Ah oui, ouais, bon, bah ça doit être ça, apparemment, puisque le liquide devient bleu. Voilà, donc le fameux Clément Somme, je sais pas quoi, là. Oh merde. Encore ? Oh putain, c'est des spéciales. Vas-y, ramène ta fraise. Ah, il est plus résistant en plus. Voilà. Alors, pourquoi j'ai dit spécial ? Parce que c'est vrai que vous allez peut-être pas titer, vu que vous connaissez pas le jeu. Alors, les hunters spéciaux dans ce jeu-là, ils sont un peu différents. Donc là, vous voyez, ils sont à moitié rouges. Mais il n'y a pas que la couleur, c'est surtout qu'ils ont plus de vie, déjà, donc faut leur foutre un coup en plus. Voilà, comme ça, je suis à peu près soigné. On va recharger. Hop. Mais il n'y a pas que la vie, limite la vie, ça serait pas ce qu'il y a de plus gênant, mais surtout les dégâts qu'il cause. Là, ça fait très 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 mal avec cela. Bon, je crois, si je me rappelle bien, en deux coups, ça peut vous tuer, et en plus, il vous empoisonne, je crois. Si mes souvenirs sont bons, moi, je dis peut-être des conneries, mais il me semble que c'est ça. Donc c'est vrai que... Enfin, faut vraiment faire le nécessaire pour pas se faire toucher, quoi, parce que... Sinon, vous le regrettez. J'ai des mauvais souvenirs, c'est pas dans cette salle-là, mais plus tard, ou... Ah, qu'est-ce qu'ils mettent ? Il n'en reste pas grand-chose, le virus T a peut-être fui d'ici, d'accord. Donc on va retourner là-bas. Mais comme je disais, oui, ces monstres-là... Il y a une autre salle où, je me rappelle, j'étais mort et j'avais pas sauvegardé avant. Et du coup, j'ai dû tout me retaper. Je peux vous dire que j'étais bien blasé sur le coup. Est-ce qu'il y a des choses à faire ici ? Bon, apparemment non. Je voulais regarder au cas où, mais il n'y a rien. Là, on va voir vite fait. Puis je pense qu'on va s'arrêter là. Hein. Je regarde le temps. On est bientôt à 50 minutes, donc... merde, j'en viens d'ici. Il y a pas une autre salle, là, où j'ai pas été encore. J'ai dû me tromper. Non, bah non, j'ai dû tout faire, en fait. Ouais, donc on va faire demi-tour et bah je vais sauvegarder. Alors je sais pas s'il y aurait une vidéo ici. Bon, apparemment non. Tant mieux. Parce que je sais que là on va avoir une altercation ici si je me rappelle bien et Et voilà quoi, je voulais spoiler un peu, mais non, on va pas spoiler. Mais voilà quoi. Alors je vais remettre le pompeux du coup, et je sais plus à quel niveau l'autre salle de sauvegarde, ça m'énerve ça, à chaque fois je m'en rappelle plus. Parce qu'on va pas retourner directement là-bas. Si on retourne au coffre là où il y avait le verre, c'est long quoi, c'est un peu chiant. Mais j'ai été dans une autre salle de sauvegarde là tout à l'heure, mais je me rappelle même plus c'est où quoi. Ça doit être rez-de-chaussée, tiens, on va aller voir. Oui, 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 ça doit être rez-de-chaussée, puisque après on passe. Ouais. On prend le monte-charge, on descend, oui, c'est là. C'est ça qui est chiant avec les anciens RE, c'est qu'on s'embrouille souvent dans les maps et. C'est quoi ce bruit bizarre ? Ah oui, c'est vrai, il y a les scanners, là. Enfin les robots scanners maintenant. Oh merde. Oh putain, en plus il scanne vite, je vais faire comment? Attendez, je regarde. En plus j'ai plus fusil à pompe, donc faut pas que je fasse n'importe quoi. Alors on va attendre qu'il arrête son scanner de merde. C'est bon. Ouh là là, c'était chaud quand même. Il était pas loin de me choper.
Et vous voyez, c'est vraiment casse-couille ces trucs-là. Ah bah j'arrive dans une autre salle de sauvegarde, encore mieux. Bon bah tant pis, hein. Écoutez, on va sauvegarder là. Est-ce que j'ai des rubans? J'en ai pas, évidemment. Donc on va pas pouvoir sauvegarder ici, youpi. Donc vous voyez qu'il y a des munitions, on va pouvoir les récupérer avec Chris bientôt. Mais c'est pas maintenant. Là du coup, il n'y a pas de ruban. Voilà, il n'y a pas de ruban, donc je suis obligé de faire demi-tour, génial. Je suis sûr que je vais me faire griller en plus. Ouais, youpi, en plus j'y vais au moment où il change, je pensais qu'il faisait en ligne droite, mais non. Laisse-moi passer, putain, non. Oh la vache. Ah, laisse... Oh putain, je vais clamser, je le sens. Attendez. On va retourner au premier, parce que là... Il y a tellement de salles de sauvegarde, je me rappelle plus, là. Honnêtement, je suis à côté de la plaque. Oh putain, il y a d'autres ennemis. Oh, j'ai même pas d'armes dans les mains en plus, oh lol. M'approche pas, toi. Voilà, on va pas prendre de risques. Mais là, ça fait chier parce que je suis vraiment fait blesser bêtement, quoi, du coup. Et c'est ça qui est chiant, parce qu'après, je sais qu'il faut deux super soins, et bah là, ça va être limite, quoi. J'ai l'impression que le jeu s'arrange pour bien nous faire galérer au moment venu. Putain, mais pourquoi je vais là, déjà, je peux pas. Alors, je sais même pas si c'est en face. J'y vais vraiment au pif, là. De toute façon, ça se voit, hein, depuis ton jeu. Oh, merde. Putain, mais il y a des détecteurs partout. Putain, mais je veux juste une salle de sauvegarde. Merde, c'est pas possible, ça. Ils sont sérieux. Bon, attends, on va utiliser la minimap, parce que là, ça va plus. Alors. Donc oui, là, il y a une porte, il y a une poignée. Ah oui, c'est vrai, vu que j'ai la poignée, je peux peut-être ouvrir. Ouais, mais je sais que là-bas, il y a aussi... une fameuse caméra, enfin pas les caméras, mais les petits robots là, donc un Hunter au bout. Si je vais... Bon, déjà si je descends, je peux pas y aller. Donc point violet, normalement c'est sauvegarde. Ouais, donc là je suis... Putain, mais... Ça m'emmerde, parce que si je meurs, en plus, j'ai plus beaucoup de vie. On va retourner au tank, et je vais essayer d'aller jusqu'au truc de sauvegarde. Je vais essayer, parce que, putain... C'est pas dit que j'y arrive. Attendez, je regarde la minimap encore, parce que là, comme je vous dis, je connais pas trop les trucs. Et donc ça, c'est bon, voilà. On passe par là, il y a le mont de charge, on descend et on se casse. Oh là là, c'est horrible. Franchement, horrible. Putain, on n'a pas le droit à l'erreur, quoi. C'est un autre jeu, vous voyez, enfin, dans Uncharted, même les derniers Resident Evil, je meurs. Bon, ça fait chier, mais c'est pas grave, parce qu'il y a un checkpoint, quoi. Mais là, il n'y a pas de checkpoint, c'est ce qui fait toute la difficulté du titre, quoi. C'est pour ça que c'est qualifié de survival horror, et puis maintenant, parce que... Il y a en partie ces problèmes de sauvegarde, mais bon, après... Pourquoi je vais par là, moi, je me trompe. Oh, et puis en plus, ça prend l'ascenseur, oh là là. Oh, j'enchaîne les bourdes. Bon, c'est pas grave, on va sauvegarder là-bas, on va se quitter là-dessus, parce que là, je crois que c'est l'épisode de trop. J'ai voulu me remettre au Wolfproof, parce que c'est vrai que... Bon, vous l'avez vu, parce que j'ai posté un petit message, j'étais un peu en retard. Et comme j'ai dit dans le message, je me suis un peu laissé aller, parce que si vous voulez, depuis quelques jours, j'ai comment ça s'appelle, j'ai loué un serveur Minecraft avec des anciens de la FNS, donc une team sur Warrock, hein. Je sais pas si vous suivez toutes mes vidéos, mais bon, je préfère le dire au cas où. Et
Si vous voulez, on a pris ce serveur-là et on est en train de... Enfin, surtout, moi, j'avais des putains de projets de faire des grandes villes de fous, donc eux, ils m'aident à le faire. Et on a fait une ville sous l'eau, si vous voulez, ça prend tellement de temps. On a fait quand même une grosse ville, il fallait vider toute l'eau, enfin, on a mis des vides partout, enfin, c'était vraiment gros bordé. Et vu que je geek à fond sur Minecraft en ce moment, depuis 2-3 jours, je me dis, faut que je fasse une vidéo, parce qu'après, il va y avoir des retards. Et voilà, là je reprends, mais j'aurais dû prendre un autre jeu pour reprendre, parce que là c'est horrible, quoi. Donc franchement, je m'excuse hein, si je joue un peu comme une merde, et si mon commentary est un petit peu bof, parce que c'est vrai que là je me suis un peu chié dessus à pas mal d'endroits. Donc on va vider tout ça, hop. Donc munitions de Kalachnikov, on va laisser ça là, puisqu'on s'en sert pas. On va prendre les rubans, niveau son, on verra ça dans une partie future, dans le 12e chapitre, parce que là, je crois que c'est horrible ce que je fais, là. Alors, on va enregistrer là, du coup, maintenant. Voilà. Comme ça, on pourra repartir là-dessus. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous a plu. Bon, ça vous a peut-être fait marrer que je me fasse à moitié niquer dans tous les sens et que je me trompe, mais bon, je suis désolé hein, si je me chie un peu dessus, mais bon, je vais pas tout le temps revenir là-dessus. Donc n'hésitez pas à commenter, puis bah écoutez, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus !